Le ministère en charge de la culture également, en plein reboisement ce matin, une centaine de plans mis en terre au sein de la Bibliothèque nationale à Ouagadougou. Les plans sont en majorité fruitiers et seront bien entretenus, rassurent les acteurs du département de la culture, le ministre en tête, Nongba Kouda Moumouniwanga. Samedi vers au département en charge de la culture. Sur ce site de la Bibliothèque nationale du Burkina, premier responsable et agent du département font œuvre utile par cette plantation d'arbres. Le ton est donné par le chef d'orchestre, le ministre d'État, ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Si vous avez regardé, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, notamment donc des mangiers, des citronniers, mais aussi d'autres types d'arbres qui font beaucoup d'ombre. Je pense que la vision est claire, il faut se planter utile. C'est l'occasion aussi de passer le message à tous les collaborateurs, à tous les agents du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, partout où ils sont, de pouvoir aussi s'inscrire dans cette dynamique-là, afin donc de planter, comme on le dit, une fois qu'on a planté un arbre, qu'on l'a entretenu, on n'aura pas vécu de façon inutile. Si cette action entre en droite ligne de la politique nationale de l'arbre, son exécution en ces lieux revêt tout un symbole. Nous avons choisi ici le site de la Bibliothèque nationale du Burkina, qui se trouve ici à Ouagadougou. C'est l'un des projets les plus ambitieux au niveau du département ministériel. Et nous avons pour objectif de faire en sorte de concrétiser ce projet de Bibliothèque nationale. Mais en attendant la mise en œuvre, il était donc indiqué de venir déjà mettre un peu de verdure sur le site. Quand on parle de Bibliothèque nationale, beaucoup ont la faiblesse de penser souvent qu'il s'agit juste d'un bâtiment pour entreposer des livres. Il s'agit d'un projet d'érection d'une structure multifonction. Du côté de la structure d'accueil, l'on met déjà les petits plats dans les grands pour un franc succès de cette opération. Nous saluons à juste mesure cette initiative. En 2021, la bibliothèque a abrité une campagne de plantation d'arbres et le taux de survie est de 95%. Et donc, cette fois-ci, nous prenons l'engagement pour vraiment entretenir ces plants. Plus d'une centaine de plantes, composées essentiellement d'arbres fruitiers dont des manguiers, sont donc mises en terre. L'idée à travers ce reboisement, c'est d'offrir un cadre agréable à la dimension du projet de la Bibliothèque nationale du Burkina.